Hello, hello, salut tout le monde, les gens, coucou. Nous sommes, quel jour? Mardi 2 novembre 2021. Et je vous retrouve ce soir, si vous y êtes le soir, pour un petit mini, tout crevette et tout petit, je croyais, all action. Et on va parler un tout petit peu aussi de la politique des magasins action. Bref. Alors un tout petit haul action, vous voyez, une toute petite note et tout n'est pas. Je vais pas tout vous montrer en plus, non mais. Oh, je vois rien si je mets plus de lumière. Ça change rien pour vous. Mais moi je vois mieux. Par contre, vous penchez un peu. Alors, comment je fais pour pas que vous penchiez comme ça? Je ne sais pas. Allez, faire comme ça. Alors, premièrement, on va évacuer ce petit passage-là qui est pas super intéressant. J'ai racheté des porte-revues. Vous les connaissez? C'est les classiques, il y a le noir, le transparent. Moi, je les prends, je les mets dans l'autre sens. Je mets l'horizontale. Alors, parce que normalement, ils ont un porte-étiquette ici. Bah alors, pourquoi tu veux pas faire mise au point? Voilà, ils ont un porte-étiquette ici, en bas. Sauf que moi, je veux mettre des trucs qui sont plus longs. Donc, je le mets dans l'autre sens. Je le pivote comme ça, là, il n'y a pas de porte-étiquette. Et ça me sert à ranger quoi? Les blocs d'actions que j'achète par Internet, par le biais de Vinted. Donc, j'en mets 7 ou 8. En général, selon la largeur. Côte à côte, je peux les poser par terre et du coup, je note aussi sur la tranche en haut le nom du bloc. Comme ça, je les repère directement, comme ça, à l'œil. Voilà, j'en ai racheté 4. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le monsieur qui s'est occupé de moi m'a dit, prenez-en vite. Il n'y avait plus que 5 en rayon. J'en ai pris 4, il n'y avait plus qu'un noir. J'ai pris 3 transparents. Il m'a dit, prenez-les vite parce qu'on n'est même pas sûr d'en avoir d'autres. Il nous manque plein de choses qu'on a normalement toute l'année. C'est un carnage. Et il m'a dit honnêtement, je lui ai demandé, je venais moi pour acheter les blocs, enfin pour acheter, pour chercher les blocs 30-30. Soit ceux de Noël, parce qu'il y en a que j'ai pas eu. Le rose. Je ne l'ai pas trouvé. Le rose, noir et blanc. Donc si jamais vous en avez un en rab, je vous en prie. J'aimerais bien le rose. Je vous le paye, bien sûr, évidemment. Mais j'aimerais bien trouver le rose, je ne l'ai pas. Et puis, tous les nouveaux. Et ce monsieur m'a dit, en bloc, il n'y a plus que ça. Et il m'a montré un rayon où il y avait 4 blocs colorful. Colorful basique. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Il a 6 mois. Colorful basique, c'est celui avec des pages du bleu au jaune. Bref, c'est une misère. Bref. Et il m'a dit clairement que. Il m'a dit si vous voulez des trucs de Noël, achetez-les vite parce que d'ici le mi-novembre, on n'a plus rien de Noël. Bravo la politique d'action. Bref, allez, passons. Passons à autre chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé. Il n'y a pas grand-chose, hein, je vous ai promis. Hein. Je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vais vous montrer, vous allez halluciner. Alors, j'ai trouvé ça. J'en ai pris deux. Parce qu'il n'y en avait plus que trois dans le rayon. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne les ai jamais vus nulle part. Il n'y en avait plus que trois. Et ils n'en auront sûrement plus, il m'a dit. Multitechnique Artist Paper Pad. C'est du A4. Il y a 24 pages, 6 x 4. 24, vous voyez le bas? Non, vous voyez pas le bas? Là, vous voyez le bas? Oui, vous voyez le bas. C'est bon. Vous voyez pas le bas, vous voyez pas le haut. Qu'est-ce que c'est que ce bin? Ah! Vous cassez la figure avec ma lampe. Bon, on va dire que c'est bon. 6 x 4, 24. Donc 4 feuilles de 4 de chaque couleur. En A4, 250 grammes. Je n'ai vu ça nulle part dans les halls. Alors, j'ai peut-être pas suivi tous les halls dernièrement, c'est possible, mais bon. Voilà, donc vous avez quoi? Ben, vous avez 4 pages de chaque couleur. Donc on a là, ce serait donc le jean, d'après leur voilà, d'après leur descriptif, on a le jean. On a le blanc. Donc c'est du papier épais. On a le craft, apparemment. Alors c'est pas mal. Il est très clair, très clair. Attendez, je vais vous mettre un craft. Voilà, le craft fin. C'est celui-ci, vous voyez, en couleur. On n'y est pas du tout. Hein. Et le craft épais. Voilà, il est comme ça d'habitude. Attendez, je vais enlever les noirs là, qui gênent. Voilà, le craft, normalement, il est comme ça. En fin ou en épais. Et là, mais du mal à faire la mise au point, j'ai l'impression. Et là, c'est très clair. J'aurais pas appelé ça du craft, j'aurais appelé ça du beige clair. Je crois. Enfin, c'est sympa. J'aime bien. Sachant que donc 250 grammes, c'est très épais. Hein. Mais c'est quoi cette mise au point qu'il n'arrive pas à me faire aujourd'hui? Je suis désolée. Il va falloir que je guette. Hein.
Mais non, il veut pas. Si je mets ça au milieu. Bon, j'ai eu des soucis de téléphone. Enfin, j'ai eu des soucis de carte mémoire, normalement. Qui devraient potentiellement être réglés. Mais visiblement, ça joue des tours au bidule. Alors, je suis embêtée parce que... Alors, donc ça, ce serait le gris. Gris. Ok. Par contre, leur craft, là, c'est pas du tout couleur craft. Hein, mais bon. Le gris. Le blanc. Ah non, grain fin. Voilà, tout à l'heure c'était le blanc. Et ça c'est le grain fin. Oh, comment je vais arriver à vous montrer ça? Ça va être très compliqué de vous montrer le grain. Avec le flash du téléphone en plus. Ah là, peut-être là vous l'avez. Oui, là vous l'avez, je crois, le grain. Je suis désolée, la lampe bouge et comme le téléphone est posé sur la lampe. Voilà, vous voyez le grain là? Je ne sais pas si ce sera net. Un peu, voilà. Bon, je ne sais pas si ce sera très 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 clair, mais voilà. Donc on a du blanc lisse, très lisse, hein, et du blanc grain fin qui est super sympa, j'adore, et le noir, un classique. Donc c'est tous des papiers en 250 grammes qui sont très épais. Par contre, je trouve génial d'avoir là du ce qu'ils appellent jeans, ouais, un bleu gris quoi. Ce bleu gris, ce qu'ils appellent craft, qui est plutôt un beige clair pour moi. Ce gris, qui est presque plus un taupe, c'est un gris chaud. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Ce blanc à grains, là, qui est super sympa. Bon, le noir, voilà. Hormis le noir et le blanc, qui sont vraiment des classiques qu'on a partout, ces quatre-là, je les trouve super sympas. Si vous avez l'occasion de trouver ce bloc-là, moi, je ne savais même pas que ça existait. Ah, vous voulez peut-être le code-barre. Je ne sais pas pourquoi ça sert, mais il y en a qui manquent les codes-barres. Je ne connais rien. Voilà le code-barre. Donc, bloc de papier, qu'est-ce qu'ils mettent? Bloc de papier multitechnique. Oui, bon, bah voilà, on n'en saura pas davantage. Donc, les portes revues, le noir, là, que je vous ai montré, il y a les transparents, ils sont à 1,45 pièces. D'accord. Bloc papier, différents papiers, 24 feuilles à 4, 1,95 le bloc. Voilà, ce bloc-là est à 1,95 €. Ouais, 2 €. Ça a l'air pas mal. Alors, pour faire des fonds de cartes, pour le blanc, là, texturé, là, pour tamponner dessus ou quoi, pour faire des ancrages, des couleurs, ça peut être très sympa. Ensuite, alors, ça, j'ai trouvé, vous les avez peut-être vus, ou dans d'autres hauls. Moi, je les ai vus nulle part. Et je suis tombée dessus, je vais vous dire comment, au hasard d'un milieu de rayon qui n'est pas rangé. Voilà, c'est quelqu'un qui les a pris je sais pas où et qui les a jetés au milieu d'un rayon je ne sais où. Donc comme je connais, parce que j'en ai d'autres, hein, on les connaît, ces embossed stickers. Donc là, il y en a trois différents, vous les connaissez peut-être, tant pis, je vais vous les montrer. Moi, je les avais pas vus, ni dans les halls, ni dans mon action, je ne savais même pas qu'ils les avaient. Au final, j'ai pris les trois derniers qui traînaient dans un rayon. Donc voilà, un petit sur le thème, sur un thème un peu cosy, vous voyez. Je vous avais montré, j'avais les fleurs, fleurs trèfles, j'avais les papillons et les ballons. Et j'ai trouvé ça au rayon enfant, dans les fameux stickers sans feutrine. J'ai trouvé des petits cœurs. Ils ont des étoiles aussi, mais c'est moins mon kiff. Enfin, les cœurs, c'est pas mon kiff du tout non plus, j'aime pas ça. Mais comme il faut bien en avoir au cas où, s'il y a besoin, ben, j'ai trouvé ces petits cœurs. Puis je les ai trouvés jolis, les petits cœurs tout dodus. Voilà, les petits cœurs en feutrine autocollants. Voilà. Au rayon Noël, au rayon petit papa Noël, j'ai trouvé ces étoiles
argentées. Elles sont pas nouvelles, hein. Il les avait déjà il y a un bout de temps, mais j'avais hésité à les prendre. Puis comme on m'a dit qu'il y aurait bientôt plus du Noyel, ben, j'ai dit je prends du Noyel. Donc voilà les petites étoiles argentées. Il n'y a plus que ça. Ils appellent ça les confettis. Voilà, la fois d'avant, j'avais pris ceux-là. Les flocons de neige. Hop là, blanc. Voilà. Donc il n'y avait plus que ça. Flocons de neige. Non, les flocons, il n'y en avait plus. D'ailleurs, il n'y avait plus que les étoiles argentées ou les sapins argentés. Sapin argenté. Oh, ça colle. Électricité statique, c'est terrifiant. Sapin argenté, je vois pas bien l'intérêt. Donc voilà, des petits flocons de Noël ou des petites étoiles de Noël pour coller dans des cartes, ça peut être sympa. Voilà. Alors oui, je vous ai pas donné les prix de tout ça, mais vous les connaissez normalement. C'est 1 euro la planche. Donc là, il y en a pour 3 euros, quoi. À peu près. Voilà. Ça, 79 centimes. Et ça, 89 centimes. Ensuite, je vous avais montré la dernière fois ces petits albums. Au rayon enfant, toujours. Hein. Ces petits albums de coloriage que je trouvais sympa parce que bah, y a des trucs pour faire des cartes. Donc ça, c'est ceux que j'avais pris la fois d'avant. Et là, j'ai trouvé... Je vous parle de ça, mais je ne l'ai pas sorti du sac. Ceci, voilà. Mini color. Et donc là, bah, on est plus sur des petits animaux un peu exotiques. Le lama. Les flamants roses. Le paresseux. C'est tous des animaux à la mode, ça, je ne sais pas pourquoi. Le narval. Qui est ni plus ni moins que la licorne de mer. Hein. Le toucan, le lama, voilà, les animaux à la mode. Il y a un truc, oh là, c'est bizarre ça. C'est quoi ça? C'est une baleine dans une bouteille sur l'eau. C'est très bizarre. C'est très très étonnant ce truc. Bref, passons, un koala. Un lama, je vous dis, c'est des trucs à la mode. Le narval, voilà, koala, narval, oh, le joli colibri qu'on voit partout. Le paresseux qui fait de la méditation, c'est, elle est pas mal celle-là. Le koala. Recolibri, ils sont chouettes. Ah bah tiens, je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça devrait être un lapin? Un lapin. Oh mon dieu. Un renard? C'est notre copain renard? Je ne sais pas. Chacun interprétera comme il voudra. Le flamant rose. Le colibri et ça. Ce serait plutôt une ce serait une orchidée, globalement. Mister Caméléon. Mister Paresseux. Mrs. Tortue. Mister Paresseux encore. Encore le narval avec une touffe de cheveux bizarre. Et le toucan, voilà. Bon, ils sont jolis, ils sont mignons, ils sont marrants. Voilà. Ah, j'ai trouvé ça. Je savais pas qu'ils avaient. J'ai découvert. Des perforettes. Ils avaient des perforatrices. Ils en avaient. Il en restait 5 en rayon, à tout casser. Il y avait une licorne. Pardon pour le bruit. Attendez. Hop, j'en fais du bruit, après j'arrête. Voilà. Il y avait une licorne. Il me fallut un certain temps pour comprendre que c'était une licorne, tellement elle n'était pas évidente. Comment on enlève ça? Ah, comme ça. D'accord, ça se soulève. Et moi, j'ai pris le petit minou. Parce que moi, je prends toujours les petits minous. Voilà, les petits minous. C'est pour faire de la concurrence à mes petits minous dans le coin. Allez, une feuille de brouillon. Il a vraiment du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Non, faut pas lire. Et voilà. Petit minou. Ah, ben voilà, vous entendez? Comment tu fais? Alors, comment je vous montre ça? Oh, bah alors, je ne vais pas trouver. Non. Oh, bah alors. Oh, Lady, c'est que ça miaule sec. Comme ça. Comme ça. Voilà. Dis-moi. Allez, fais la mise au point. Voilà, tu vois quand tu veux. Voilà. Oh, on va le mettre là. Il va nous guider. Trouvez ça. Au rayon de Noël. Des cartes. 25 cartes et enveloppes dans chaque boîte. C'est 5 de chaque. Hein. Les modèles sont là. 1, 2, 3, 4, 5 modèles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous regardez bien, c'est les mêmes dessins. On arrive à voir là. C'est les mêmes dessins. Mais dans des coloris différents. Voilà. Je les trouve fun. Je les trouve sympas. Elles sont jolies. Alors vous voyez, les boîtes sont à moitié ouvertes. Il y avait deux autres modèles argentés. Alors des fonds blancs avec des motifs soit argentés, soit or rose. Mais le fond blanc me dérangeait un petit peu parce que bah, c'était tout en fond blanc. Je trouvais ça très 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 blanc quand même.
L'or rose, j'aurais encore pu le prendre, mais l'argenté, bah, il avait été ouvert, il va entrer dans le rayon. Il devait en manquer la moitié dedans. Enfin, j'aime beaucoup le civisme des gens qui font ça. C'est formidable. Alors, je vous montre quand même. Donc, cette boîte-là, on a donc les enveloppes. Bon, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Qui font? Combien elles font, les enveloppes? Prends-en qu'une, ce sera mieux. 14, 5 par 11. 11 par 14, 5. Ah oui, elles ne sont pas pointues. Elles ont un rabat comme ça. Très sympa pour faire un mini-album ou pour les cartes, hein, pour celle-là ou pour d'autres, hein, peu importe. Et les cartes, alors on a... Voilà, donc à utiliser tel quel, ou à découper, ou à coller des trucs dessus, à rebricoler, quoi. Donc c'est des cartes basiques, hein. La carte double, basique, mais c'est très très épais, hein. C'est très très épais. Est-ce que ça fait plus de 250 grammes? Bougez pas. Oui, 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 c'est bien plus épais. Oui, ça fait plus de 300 grammes. C'est très épais. Voilà. Pour ce lot de cartes. Bleu comme l'autre. Voilà. Et là, donc, dans ce bloc-là, le foil est doré. Si vous arrivez à voir. Coucou, c'est Minou. Voilà. Ah, bah celle-là, elle a un défaut, j'avais pas vu. Mais la carte qui a un défaut sur dessus. Oh oui, c'est léger. Mais ça n'a pas très très bien imprimé. Hop, bah celle-là a un autre défaut, c'est qu'elle a imprimé à côté. Là, hop, bah même chose. Est-ce qu'on va en avoir une qui n'a pas de défaut? Celle-là? Oui. Les deux dernières, les trois premières, elles ont un défaut. Voilà. Voilà pour le deuxième lot. Ici. Je sais que vous les connaissez déjà ceux-là. Vous les avez déjà vus. Moi, je les avais jamais vus. Alors, par contre, je ne sais pas combien il y en a dans la série. C'est les tampons bois. Les bons vieux tampons bois de chez Action. Je ne sais pas combien il y en a dans la série. J'en ai trouvé 4, 5, 6. Apparemment. Donc, j'ai une petite fleur. J'espère que ça va tamponner correctement. J'aurais peut-être dû... Tant pis, on verra. Oui, j'aurais peut-être dû soulever le papier pour appuyer dessous. Parce que mon bloc, il n'est pas tout à fait à plat. Et donc, ça bug. Alors, on va recommencer. Pas que ça bug. Hop. Donc, vous connaissez, hein. Par contre, ils savent les vendre. Parce que comme le dessin qui est dessus, là... Et tout en couleur, ça donne vachement envie de les acheter. Alors, quand on les tamponne avant d'en avoir fait la couleur, ça donne moyen envie. Ouais, bon, il a moyennement tamponné. Je pense que... Bougez pas, on va faire autrement. Hop, on va enlever la feuille. Ça tamponnera mieux. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Le ticket de caisse. Oui, au revoir, c'est pas la fin du monde. C'est tout flou. Pourquoi elle me fait tout flou, la caméra, aujourd'hui? J'aime pas bien. Mais non, elle veut pas, hein, rester. Donc, on a la fleurette. Ma copine, une petite fleur. On a celui-ci. Je vais savoir combien il y en a dans la série, quand même. Je suis curieuse. Sachant que, donc, clairement, on m'a très clairement dit que dans mon hall, ma cache Walou, on n'aurait pas mieux. C'est nul. Les blocs de... En gros, on m'a dit les blocs de Noël. Non, non. Les nouveaux blocs. Je crois que... Voilà. À quoi je peux m'attendre? Ah, il est flou. J'ai tamponné deux fois. Mais ça ne m'étonne pas. Donc, c'est celui-ci. L'enveloppe. La petite enveloppe. Le petit courrier avec, les fleurs. Ensuite, au suivant. J'adore tamponner un tampon que je n'ai jamais vu pour la première fois au dos. Vous voyez, vous prenez votre tampon comme ça. Bon, là, je viens de le faire, hein, mais il n'est pas encore noir. Et vous venez tamponner comme ça. C'est-à-dire que le tampon naît en noir, là, sous vos doigts, encore sur le caoutchouc ou sur le tampon clear, hein, c'est pareil.
Je trouve ça, j'adore ça. J'adore ce moment-là, même si on sait quel motif il y a dessus, mais... Ah bah il a glissé aussi, mais c'est pas vrai. Je sais rien faire ce soir. Oh là là, c'est la fin. La fin FIM. Mais c'est la fin FIN aussi, hein, vu l'heure. Allez, on le refait. Par acquis de conscience. On appuie dessus comme un âne alors que... Ça va pas changer grand-chose. Voilà. Bon, je suis sur un papier aquarelle texturé, alors forcément. Voilà, voyez. Hop, prenez votre tampon. Vous avez encore rien fait. Et hop, il apparaît sous vos doigts en noir. J'ai toujours adoré ça. Voilà, sur un tampon bleu. L'exemple n'est pas forcément le meilleur, mais... Marrant. Hop, le quatrième. Donc, on a 1, 2, 3. 4 avec la petite maison aux mésanges. Ce sont des mésanges qui sont dessus. Ça fait très printanier, ça, avec les branches de chaton, là. Décidément, il n'y a rien qui tamponne comme je veux ce soir. Bon, allez, on peut chercher. On ne va pas insister. Là, celui-là, ça va marcher. Hop, là, il y a beaucoup de noir qui vient se mettre sur le tampon. C'est chouette de le voir naître comme ça. Toi, on va essayer de te tamponner correctement. Comme ça. Je fais ça avec une feuille de papier qui est déjà toute tachée. Elle va comme d'autres pousses. Hein? Alors, bon. C'est un peu normal que ça tamponne pas très bien. J'espère que c'est pas parce que mes tampons ils sont tout foirés que ça tamponne mal. Rassurez-moi. Dites-moi qu'ils sont bien ces tampons et qu'ils sont pas tout foirés. Et voir, tu tamponnes mieux sur un truc qui a pas de texture? Ouais, tu tamponnes mieux. Même si là je l'ai fait à la va-vite. Bon, bah c'est ça, c'est que j'ai pas choisi le bon papier. Tant pis. C'est de ma faute. C'est pas grave. Et la dernière, copinette. Hop. La dernière que j'ai pu avoir. Maintenant, est-ce que je les ai tous eus? Je ne sais pas. Je vais les retamponner de ce côté, ça ira mieux. En effet, ça ira mieux. Pour peu que je lui fasse une oreille. Et là, elle n'a pas deux oreilles. 9 chances sur 10 pour que je fasse tout foirer comme ça. Voilà, j'ai tout fait foirer. C'est pas mon jour! Tant pis, voilà, les petits tampons. Je vais les refaire de l'autre côté, ça ira mieux que j'ai trouvé. Voilà, les tampons bois d'action, qu'on aime bien. Une perforette. Des petits... Ah oui, et les tampons, pour mémoire. Shaped. Sont à 1 euro pièce, à 0,99 centimes. 99 centimes le tampon bois. Voilà, c'est pas la ruine. Donc voilà, j'ai terminé ce micro-haul action, comme je vous ai dit, avec ces fameuses petites nouvelles qui nous disent que, attention, si vous voulez des machins de Noël, achetez-les vite, vite, vite. Parce qu'a priori, si c'est pareil chez vous que chez moi, d'ici 2 semaines grand max, ils n'ont plus rien de Noël et ils ne recevront plus rien de Noël. C'est bien, c'est... J'aurais dû mettre ça tout. Hop là. Le gros bloc. Artistique truc-muche. Hop. J'aime bien faire une petite vision de la totalité à la fin. Hop. Les embossed stickers, on va les mettre là en bas. Comme ça. Voilà, ça, on n'a pas la place, on ne va pas le voir, multitechnique, machin. Et voilà, voilà pour le haul d'action de ce jour. Rien d'exceptionnel, des choses que vous avez probablement déjà vues partout ailleurs. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser dans les commentaires, je viendrai y répondre comme toujours. Et en attendant, je vous embrasse fort, vous faites des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, à très très vite, ciao ciao!